Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, malheureusement, de nos aventures sur Outlast 2, l'aventure horrifique. C'est parti, on va déjà charger la partie, qu'on en finisse au plus vite s'il vous plaît. Parce que je pense que vous le savez, vous l'avez vu dans cet épisode 1, je déteste ce jeu, je n'aime pas ce jeu, je ne pourrai jamais noter ce jeu de toute façon. Bon, c'est pas grave. Eh, vous le vouliez, on est là, on continue, on va en prendre plein la gueule. Ils ont appelé hérétique. Ils ont appelé Lynn mère. Et il n'y a pas que la secte. Alors, comme d'habitude, je vous conseille d'éteindre les lumières, de fermer les volets si vous êtes en plein jour, de mettre un casque, des écouteurs et de prévoir de quoi bouffer. Quoique, si tu veux pas le recracher par le cul, fais attention à toi quand même. On va y aller mollo. Donc, on venait de s'embrouiller avec ma femme. Il y a des piles. Je vais essayer d'économiser les piles, je sais tellement pas ce qui m'attend dans ce genre de jeu. Je rappelle que j'ai joué au 1 à peu près 10 minutes, c'était largement suffisant. J'avais pas besoin de plus. Et je rappelle aussi, vous m'avez rappelé qu'on peut filmer des choses, je m'en bats littéralement les couilles. Mais alors là les gars, s'il y a bien un truc dont je m'en bats les couilles, c'est filmer des choses. Hein. J'aimerais déjà survivre, vous pouvez vous cacher dans l'eau en vous accroupissant sur l'eau. Attends, on va pas se cacher bien longtemps avec cette caméra. Mais... Ah, le mec il surveille l'eau en plus, hein. Petit bâtard. Ok. Alors, le jeu c'est un petit peu... Je me casse. Je me suis cassé. Oh, il va venir sur WAM. Oh putain, attendez. Il va venir sur moi. J'ai pas voulu rentrer dans cette maison, je la sentais pas, écoutez, il y avait comme une odeur de dark funérallesque, tu vois ce que je veux dire? Une odeur d'un mec qui se fait enculer par une chèvre, donc c'est... Je me suis dit, non, c'est pas ouf. Attends, parce qu'il va aller sur moi, hein. Y a moyen que ça parte en exécution très rapidement. D'accord, cet homme est totalement aveugle. Oh, putain. Grâce à une technique incroyable développée en 1830... Eh, faites-moi pas peur, bande de bâtards. J'ai extrêmement peur. Je pense que le mieux serait de faire un let's play où je ne parle pas au final. Parce que ça sert à rien de toute façon. Je peux fermer une fenêtre, sachez-le. Par contre, je peux pas fermer les rideaux. Il y a quelque chose ici, je le prends. Ok. Attends, sa mère. Il y a un homme là. Cet homme est mort. Oh, putain, il y a un homme. Je l'avais pas vu. Attendez, j'essaye de. Je sais pas. Eh. Fais-moi pas peur. Il est sérieux, lui? Casse-toi! Il a au moins la politesse de refermer la porte derrière lui. Hop, on ferme tout. Hop, et on verrouille. Ok. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Il y a un bruit par ici. Attends, c'est quoi toute cette lumière qui émane de... Mais non, mais c'est terrible, mais je perds mes mots. Vas-y, ouvre. Ah! Y'a rien, il se passe rien, il se passe littéralement rien, ce n'est que de la lumière. Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! Qu'est-ce que... Pas une école! Je rêve. J'ai perdu la tête. Oh putain, ferme-la. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille, s'il vous plaît. La classe de musique. Ok. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé. Jessica. Quelle est... Oh non, putain! Avec de la musique et tout! Vas-y, cassez-vous là!
C'est quoi ça? Et Lynn, quand nous étions... C'est que ces conneries. La classe de musique? Tu reconnais que maintenant ta classe, Bolos? Oh merde. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Ok, c'est fermé. Oh putain. Ah. Ah! Toujours plus loin. Oh là là, oh là là. Oh, c'est terrible. Oh putain, s'il y a quelqu'un là-haut. J'arrive. J'arrive. Je ferme les yeux. J'arrive, je m'en bats les couilles, je m'arrête. Ah oh. Putain. J'ai fermé les yeux, hein. Je m'en battais les couilles les mecs, hein. Je vous le dis honnêtement, je m'en battais littéralement les couilles de ce qui se passait, hein. Je veux sortir. Je veux juste sortir. Merci. Allez, on se casse. C'est pas intéressant ce qui se passe. Quoi? Oh non. Allez. Allez. Non mais il y a des croix partout là-dedans, c'est quoi ça? Oh putain, ça s'est ouvert. Merci, Jésus, tu es donc de mon côté. Ah. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, sa mère à droite. C'est vous, pas vrai? L'étranger. L'œil de Notte, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Ah. Ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Note s'est couchée sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a vu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Ah! C'est gênant cette conversation. Ah bah putain, ils abusent pas trop sur les flous, hein. Sérieux les mecs, c'est bon, j'ai compris que j'étais aveugle et myope, mais bon là, Yo frérot. Et ça ta petite baraque là, très sympa. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois. Des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh. Dieu merci. Oh. Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez. Vous feriez mieux d'entrer. Ok. C'est bien chaleureux ici. Ouh. Quoi? Oh là. Vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. Non, m'abusez pas! Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Il va se faire violer. Bang Bang Dance, partie volume 5. Très bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Quoi? Ethan? Quel est ce drôle de personnage? Ok, je suis déjà... Niveau bandage, je suis déjà blindé. C'est que je suis plutôt bon. On va dormir, c'est ça? Ouais, mon réveil va se faire violer, hein, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Ok, on va se reposer un petit peu sur ce lit de fortune, évidemment, où seul, apparemment, le haut de mon corps peut être reposé. Ça va partir en couille. Hein. Thank you.
je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le guider. Vache ! Il se fait violer ! Attendez, je veux rien louper. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Où est l'étranger? Sa semence a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nott, je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Ouh! C'est du soulevage. Ne bouge pas. Oh, ça me rappelle 98, putain. On a soulevé la coupe pareil. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Chiton du diable. Salope. Ok. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Ah oui, d'accord. Alors moi, j'ai aucune pitié non plus. J'espère que t'as retrouvé ta fille. C'est comme ça que tu... Le mec qui t'a aidé, frère, c'est comme ça que tu lui parles. Le mec qui m'a sauvé la vie, et le gars, il est en train de lui dire... Eh, j'espère que t'as bien souffert, fils de pute. Et que t'as retrouvé ta putain de fille de merde où on s'en bat littéralement les couilles. Merci. Ok, j'enregistre quelque chose. Alors quoi? Je ne sais pas. Sans doute la ventilation. Ce système de ventilation est totalement incroyable. Ok. Je suppose... D'accord. Bon, hé, merci frère. C'est rien. Hein, dis-toi que... Tu n'as pas souffert. Il y a quelqu'un? Ok. Je fais extrêmement attention. Je ne parle pas pour rien. C'est bien quand on est dehors comme ça, moi j'aime bien, moi. Ah ouais, dès qu'on est enfermé, les gars, quelque part, vous savez que ça part en couille. Mais sinon, quand on est dehors comme ça, moi j'aime bien. Je tiens à vous le dire, quand même. Hein. Ok. Je voulais voir s'il n'y avait pas une petite batterie. Niveau heal, on est plutôt bien. D'ailleurs, je sais même plus... Ok, c'est la comme chapelle. Ça. Quelqu'un doit savoir où ils ont emmené Lynn. 4 batteries. 3 bandages, pardon, 4 batteries. On est très très bien. Rejoindre la chapelle. Ah non. Ah non, c'est chiant. Alors, le jeu coûte 30 balles. Ça me donne un espoir. Ça me donne un espoir à la vie. Ça veut dire que le jeu doit pas être très très long. Quoi? Non mais prends cette lampe torche, mon ami. Ne sois pas stupide. Attends, vous foutez de ma gueule, là? J'y vais à pied, comme ça? Ah! C'est chiant. Quel est ce bruit, là? Strident, là. Il y a quelqu'un. Ok. Ok. Eh, Benilo! Ah, d'accord! Ah, d'accord, je suis en train de mourir. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Hop, je vois rien, incroyable. Alors là, c'est pas une goutte d'eau, c'est une marque que j'ai dans l'œil. Eh, ça va, oh! Faut bouger la caméra, skip. Hop, retournement rapide de situation. Ok, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il y a quelqu'un. Ah non, 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 ça c'est mignon. Elle est partie là, Jacqueline? Putain, le fait de pas pouvoir les tuer, c'est très très chiant, hein, vraiment. Ok, on va cavale. On va de l'autre côté de la rive. Bon bah, c'est parti, les gars, direction la chapelle. Ça va être incroyable encore, une sacrée expérience. Putain, je peux pas passer. Je pense que c'est la suite de notre aventure. Ok. Ok, il y a des gens qui sont pendus. C'est pas très gentil pour eux. Oh,
Ah putain, il y a des champs. C'est un coup à croiser des céréales qui dorment. Ah, qu'est-ce qu'on rigole? Je peux me cacher dans un tonneau. Ok, bandage, ça sert à rien. Je suis tellement un monstre sur ce jeu. Chapitre 5 de la Bible, verset 7. Ok. Je suis pas là pour faire de la lecture, ok? Bon, on doit traverser le champ, je suppose. Il faut que j'aille où, là? À la chapelle. Qu'est-ce qui ressemble à une chapelle? À gauche, il y a une maison. Ok, donc on va passer par le champ. C'est la seule solution. Quoi? Oh, putain de merde! Ah oui, putain, tu l'as pas dit. Ça, c'est une grange. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre microphone pour entendre à travers les murs. Incroyable. Ai-je vraiment besoin d'entendre à travers les murs? Gentil. Oh non, faut que je recommence. Ah putain, c'est terrible. On recharge. Oh putain. Je fais quoi? Ma vie étant nulle. Attends, y a pas un trou dans le barbelé? Je suis mort, hein? Y'a pas un putain de trou? N'allez pas jusqu'au bout, s'il vous plaît, messieurs. Je ne vous connais pas. Ils m'ont pas vu. Je suis une barrière. Ok. Donc j'arrive à rentrer, je suppose, dans les champs, non? Grâce à une technique totalement incroyable. Ok, il y a des morts partout, hein, on apprécie. Oh putain. Quoi? Cours! Raccroche-toi à la vie! Oh putain! La chapelle! Ok. Ok, j'ai la chapelle. Alors ça, c'est chiant! Il est où? Attends, il vient pas vers moi, ce petit bâtard. J'ai peur, je me sens oppressé, là. Il y a un gars juste là. Hop, on peut se pencher à travers deux grains de maïs. Ok. Passé. Putain, elle est là, l'église. Ah! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Putain, mais c'est un truc de ouf. Laissez-moi tout seul. Laissez-moi tranquille. Ok, je sais pas ce qui m'a mis des dégâts, hein, vraiment. Hein. J'ai pris un coup de pression par la nature, là, les gars. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis censé aller où? Je suis censé aller là, c'est incroyable. Je peux pas mourir comme ça. Pas si près du but. Quoi? Mais cassez-vous! Non mais c'est une blague, hein. Tête de ma mère que je, c'est une blague.
Il me suit ? Nous sommes reconnaissants. Et tu sais quoi ? Sucez-moi ! C'est bon. C'est bon, on est passé de l'autre côté. Putain ! Eh mais c'est du harcèlement ! C'est du harcèlement ! Le mec il sait pas que je suis là ! Je suis contre un rocher. Eh, hey, je suis tranquille, je suis là, je suis allongé. J'attends la fin de la vidéo calmement, tu vois. Quoi? Oui, je me suis caché, c'est un premier réflexe. Regardez furtivement. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes un gentil? Je ne sortirai pas tant que vous m'avez pas répondu, monsieur. Est-ce que vous êtes un gentil? Ok, j'arrive. T'as l'air d'être gentil. Qu'est-ce qu'il y a, mon sauce? Ça va ou quoi? Mais... tu ressembles au mec de tout à l'heure qui s'est fait arracher. Ok. Attendez. Est-ce que je peux enregistrer le mec qui demande pitié, miskin? Non. Je sais jamais sur un malentendu. J'utilise pas beaucoup la caméra, j'en ai rien à foutre. Alors là, les gars, si vous voulez un mec qui finit le jeu à 100%, c'est pas moi. Hein. Allez voir, taper Wall True, mes couilles au bord de l'eau, là. C'est chiant! Putain, c'est l'histoire. Il y a la meuf là avec son. Sa croix là, ou je sais pas quoi là. Putain. Cache-toi dans le sang. Cache-toi dans le sang. Il y a un méchant, mais t'es pas trop méchant, ça va. Ok. C'est parti. C'est parti, on va interagir avec la grange. Tu sens une pression qui va arriver dans pas longtemps là. Tu sens. Est-ce que je devrais refermer derrière moi? Putain, on peut se cacher partout, c'est quoi cette connerie? Je vais prendre ma mère. Ah! Putain, il va me suivre hein. 10 contre 1, il va me suivre, les gars. Ok, il est là. Donc, comment je suis censé passer, je comprends pas, là. Je suis dans une grange, enfin, je veux dire, les gars... Le déluge viendra. Le sang enflammé pour les détruire. Par ici, calmement. Comme zère. On va passer par ici, d'accord. J'en ai rien à foutre, je trace. Les gars, je bombarde comme jamais, hein. Et la tête de ma mère, c'est un speedrun, là. Et on finit le jeu dans 5 minutes, on n'en parle plus, on va laisser peser. On retourne sur Polly Pocket, hein, rien à foutre, hein. Yo mes sauces, y'a quelque chose là-dedans? Ah oui, y'a bien quelque chose. Oh la vache. Alors toi mon pote, que Dieu te bénisse sur le coup parce que là t'es pas bien. Ok. Tout ça pour une lettre, jure. D'accord, 7 janvier. Aujourd'hui nous avons envoyé 3 autres membres vivre parmi les galeux. D'accord, ça m'a saoulé. Je vois que ça raconte sa vie. Oh, une chaîne. Oh putain. Merde, j'ai presque eu peur. Je vous promets que j'ai presque eu peur. Il n'y a pas eu de bruit sur le coup. Attends, on va filmer parce que lui, il est beau hein, quand même. Hein. La vache. Mec. La souplesse a été taffée du début jusqu'à la fin, putain. Dégueulasse. Ok. Ok. Oh putain. Bande de con. C'est dégueulasse. C'est littéralement dégueulasse. Ok, on continue. Jusqu'ici ça va, franchement je m'en sors plutôt bien. C'est le début du jeu, Obsartek, tu vois. On apprécie, hop, on va sauter ça. On ne peut pas, c'est un ballon de paille bien trop haut pour nous. Attends, il n'y a rien à filmer là. Il y a toujours des chevaux, mec, dans des situations précaires, n'est-ce pas? Ok. D'accord, ici c'est fermé.
On se casse. Ah! Elle est morte? Ok, c'est une statue. Ah d'accord. Ah d'accord. Les gars, là c'est chiant. Voilà. Hein. Ah non, faut arrêter de vouloir me faire glisser à tout prix. Qu'est-ce qu'on a là? Âme du Christ. Pardon? Tu pleures du sang? Je confirme, elle pleure du sang. C'est une terrible histoire. Je peux me cacher dedans, quoi, trop stylé. Attendez, j'y vais. Ah d'accord. Ok. Ok. Ça servait strictement à rien, mais on peut se cacher dans des bidons de sang, bien évidemment. Et on continue. Direction la chapelle toujours. Dès qu'on arrive à la chapelle, on coupe tout, les gars. On coupe tout. Pas d'école. Non. Non, pas l'école. Oh putain, c'est bon. Je croyais que je retournais à l'école. C'était quoi ce bordel? C'est très bizarre. Il y a comme une sorte de signal. Peut-être que je suis infecté. Oui, j'essaye de comprendre le fondement du jeu, n'est-ce pas? Ah, c'est une grande chapelle, ça, quand même. Hein. J'appelle ça un village, là, chez moi. Hein. Et là-bas, il y a quoi? Je peux me casser par là-haut ou pas? Pour escalader. On peut escalader, c'est incroyable. Bah, je vais escalader. Je vais escalader parce que, de toute façon, je n'ai pas envie d'aller dans ce village. Ce village m'inspire pas grand-chose. Alors, c'est bien d'offrir la possibilité d'escalader, mais... Faut-il encore que... Voilà, c'est bon. Des pigeons qui sont tombés là, putain, mais c'est terrible. On n'en parle pas assez de tous ces pigeons qui meurent dans les films d'horreur. Ok, je crois que c'est comme ça ensuite. Hop, voilà, impeccable. Allez, on est bon. Je m'en fous, je recommence. S'il nous parle d'escalader ici, c'est que c'est fait pour, tu vois. Ok, on recommence, c'est pas grave. Je m'arrête pas pour si peu. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, peut-être ici, non? Ah non, voilà. Ok, on se fait des petits kiffs. Attention quand même, tout peut glisser très très vite. Tout peut s'arrêter à tout moment. Saute, putain, mais il m'a fait tellement peur. Ok, il y a une grotte là-haut en fait, c'est quoi là le délire là? Il y a un concept autour de tout ça ou pas? Parce que s'il n'y a pas de concept, autant arrêter. Hein. Ok, je crois qu'il y a un concept. Ok, je confirme, il y a un concept. Très bien. Okay, nous voici dans une grotte donc. On voit strictement rien, on va rester en caméra s'il vous plaît. On va... Oh, vache. Qu'est-ce que je filme? Je sais pas ce que je filme. Je filme un truc qui a l'air quand même assez dingue, hein, on est bien d'accord. Ok. Bon, j'ai enregistré un caillou. Ah non, c'était peut-être ça. Oh, c'est beau. Temple hérétique. C'est beau. Eh, c'est beau, hein. Ok, on a quoi, là? On a une pile, je prends. Toujours, les gars, sachez-le. Quand on vous appelle dans un village, que vous ne connaissez pas les gens qu'il y a dans ce village qui font des trucs très bizarres, sortez avec une petite pile alcaline, ça fait mal à personne, et ça peut sauver la vie de quelqu'un qui vient après. Notez-le, s'il vous plaît, d'accord? Je suis quand même le seul mec au monde qui a une caméra HD avec vision nocturne qui fonctionne avec une pile. Donc s'il te plaît, respecte. Quelque chose là-haut. J'y vais, j'aime le danger. Putain, je te brûlerai tout ça, moi. Ok, il y a quelque chose là aussi. Bonjour, monsieur. Oh putain, il s'est fait... Ah, ils lui ont retiré la peau. J'espère qu'il était mort. Parce que c'est quand même terrible de se faire retirer la peau quand on est vivant. Ok, on continue. Je marche. Ok, on continue. Pour l'instant, tout va bien. Quoi? Pitié, non. Quoi? Madame, c'est vous? Quoi? Il y avait un pendu. La tête de ma mère qui avait un pendu. Quel est ce sortilège? Je vais me faire enculer. Oh là là. Oh là là. On va enregistrer tout ça, bien évidemment. Ce village totalement incroyable.
Voilà. Alors, le mec, quand il va regarder le best-of, il y aura du flou sur du flou. Même lui, il sera là. Bon, les gars, c'était mon best-of, c'était mon aventure. On voit rien. On voit jamais rien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que là, il y a une ville qui nous attend, frère. Je suis littéralement pas prêt. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, comme d'habitude, si vous voulez la suite. Bon, les gars, moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Si vous voulez pas, mettez pas de like, mettez pas de com, on arrête tout. Ah bah moi ça m'arrange. Moi je vous le dis, ça m'arrange les potes, hein. En attendant, je vous dis peut-être à bientôt pour l'épisode 3. Bisous tout le monde, ça va, cet épisode était pas trop horrible, mais quand même, il y avait 2-3 petits sursauts. A plus tout le monde, ciao ciao.